Orcus Focus présente. C'est une très vieille technique. Le piège à bière, je n'ai pas inventé le piège à bière, j'ai inventé la forme du piège à bière. Mais la technique reste toujours efficace. En gros, vous enterrez donc ceci jusqu'au trou d'entrée, vous mettez de la bière dedans et la limace est attirée par la bière. Et fort rendement, un piège à bière, généralement, c'est à peu près une dizaine par nuit. Mais escargot, enfin pour moi en tout cas, zéro. L'escargot étant une limace qui a réussi, je pense qu'il faut plus taper peut-être sur du single malt ou du champagne, ce qui occasionne quand même des frais. Alors, je l'ai créé avec un couvercle par-dessus pour une raison précise. Les gens mettent des fois une simple coupelle, ce qui marche très bien. Mais le problème de la bière, c'est que ça n'attire pas que les limaces, ça attire aussi les hérissons. Et donc, qui se prennent des cuites absolument phénoménales, qui restent sur le dos à ronfler et qui sont mangées par les chiens et les renards, qui est très sérieuse sur le sujet. Un problème très souvent qui semble récurrent pour certaines personnes, c'est que le piège à bière semblerait attirer les limaces du voisin. À quoi reconnaît-on la limace du voisin? C'est une très bonne question qu'il faut vous poser avant de me poser cette question. Une limace faisant à peu près 7 mètres par jour, votre voisin, vous êtes vraiment très très proche, ou la limace était complètement alcoolique et met plusieurs jours à venir chez vous pour faire la fête avec toutes ses copines et mourir joyeusement en chantant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un grès de haute température. Donc ça, vous pouvez le mettre dehors l'hiver, il n'y a aucun risque de gel. Dans les régions très très froides, je vous conseille de mettre ceci comme ceci. Comme ça, il n'y aura aucun risque, vous pouvez le mettre dehors à moins 20, ce n'est pas un problème. Pourquoi ceci? Parce que, effectivement, s'il y avait plein d'eau dedans, par expansion, ça pourrait exploser. La poterie n'est pas poreuse, la matière n'est pas gélive, mais l'expansion de la glace, c'est une chose qu'on ne peut pas lutter contre. Que ce soit du ciment ou du métal, ça arriverait quand même à casser par la pression. Le plus de ce produit, c'est qu'il est aussi utilisable pour d'autres circonstances, entre autres le carnaval. Vous pouvez, comment ça s'appelle, vous déguiser en princesse Leila, par exemple, ce qui est à mourir de rire, et ce qui vous fera beaucoup d'amis